Hello tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory, ce deuxième épisode. Oui, on avait fait un petit peu tout ce qui est partie production de fer, on va dire, standard et cuivre standard, l'épisode d'avant. On avait besoin de béton. C'est ce qu'on va faire, à moins que... voir si j'ai besoin de béton pour fabriquer, enfin pour bien améliorer la partie cuivre. Peut-être qu'on va faire ça avant. Parce que comme vous avez vu, en partie cuivre, on peut faire des bobines, mais les bobines à la main, bah c'est pas génial quoi. Donc est-ce qu'on ferait pas le même principe ici? Ça produit 2 fils par minute avec 15, donc oh la vache. Si je fais un constructeur, hein. Comment ça me demande des câbles? 60 fils par minute pour 30 câbles, ok. J'ai déjà oublié. 30, ok. Bah, ce que je vais faire, c'est. Ouais, on va améliorer. Je vais améliorer la partie cuivre. Je vais juste voir là le temps que ça se vide, tout ça. Où est-ce qu'on pourrait avoir du calcaire? Donc le calcaire. Il est pas à côté. Hein. 200 mètres. 200, 300, 200. Là-bas il y a deux trucs de calcaire. Je vais aller jeter un oeil. Tant que ça se fasse. Alors le calcaire, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à faire du béton. Le béton, ça va nous servir à quoi? À construire plus de... construire plus de trucs. Bon, au passage, hop. On récupère un peu, là. Pour en avoir besoin, vous avez vu qu'on a une consommation quand même assez importante d'énergie. Ah! Ça, je connais, ça. Bon, attendez, je vais m'en débarrasser maintenant. Voilà. Moi ça m'embêtera pas plus tard. Hop, on va récupérer tout ça. Allez, come to me. Hey. Ok, il y a de l'eau par là. Alors, voyons voir. Je l'ai passé? Ah ouais, je l'ai dépassé. Ah oui, bah oui. Ça va, c'est pas trop loin en fait. Calcaire normal, normal. Ah, j'ai l'impression que c'est... Ok. Là on a notre mine de calcaire. Hein. C'est juste de voir, ouais, ça se casse pas ça. Hein. Non. Ok. Ok, donc pas très très loin, on a du calcaire, ça c'est. C'est juste derrière les morceaux de pierre quoi en fait. Ce cactus il est génial. Ok. On n'a vraiment pas allé chercher loin, ça c'est vraiment sympa. Le temps que ça se vide là-bas, le cuivre, hop, je vais récolter. Enfin que ça se vide, au moins que ça travaille un peu. Je vais récolter un peu de biomasse. Enfin, de feuilles, de branches, de machin. Hop là. Hop là. Est-ce qu'on va en avoir
avoir besoin de beaucoup. Hein. Plus tard, il y aura de quoi changer la production, mais... Enfin, la production d'énergie. Mais c'est vraiment pas de suite. Donc, je peux vous dire qu'on va on va en cramer des feuilles. Hein. C'est... Ah. Breaking news from Earth. Widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Ah, peut-être que c'est la spécificité du désert. Parce que moi, il me semblait que ça repoussait là. Enfin, on a joué avec un. Avec Divi, hein, un petit peu sur. Sur une carte. Je sais pas trop ce que c'était. Oh, tiens, il y a une plante spéciale, c'est cool. Bon, il y avait pas mal de forêts. Et ça repoussait. Et là. J'ai pas l'impression. En même temps, tu me diras, les arbres ils sont tous à moitié desséchés là, à part ça. Bon, je laisse les grands arbres quand même pour faire de l'ombre, mais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une sorte de nénuphar sans eau. Ça, c'est original ça. Hop. Voilà. Là, je fais bien attention là cette fois à tout ramasser sous les arbres, comme ça au moins s'il y a un seul truc qui pousse. On le saura. Hop, j'ai rien oublié. Si. Voilà. Là, je vais faire pareil. On verra. Ah, par contre, je peux vous dire la tendinite sur mon index. Ah, c'est pas du hasard là. Si j'ai mal ce soir en dormant. Ce sera pas du hasard les gars. Picking up multiple fixed personnel in the area. Oh, mine de rien ça, quand même. Ouais, ça fait une petite quantité mine de rien, c'est plutôt pas mal. Oh, la vache, on attend que ça. Non, on aurait pas dit hein, mais vu de derrière, ça avait pas l'air aussi impressionnant quoi. Ouais, on a 2-3 là, c'est enfin, une vingtaine quoi. Je me disais pas qu'il y en a une centaine. Bon, heureusement il est rapide à ramasser. Là. Voilà. Hop, j'en ai une sous mes pieds. Et là il n'y a plus rien. Ok. Ah si, ça poussait là. Alors là par contre. Là honnêtement je suis pas sûr qu'elles y étaient celles-là. Faudrait voir. Oh, là c'est possible que ça y soit. Que ça y était. Conjugaison des temps. Alors on va profiter. Par un peu de biomasse. Ouais, j'ai déjà l'inventaire qui est pas mal rempli là. Bon en même temps on a fait ce qu'il fallait en plaque, etc. Puis là on. Produit en biomasse et la biomasse elle partira dans les coffres, enfin elle partira surtout en consommation. Ah bah j'ai plus de place dans l'inventaire, ça y est, moi je vais vider mon. Oh, il en reste pas beaucoup. Oh bah il dit 17 et c'est bien fait. Bon lui il n'a pas dû consommer des masses depuis. Hein. Ah, quand même. Hein. Allez, on range ça. J'avais un autre truc, ça. Je vais mettre la biomasse. Je vais la mettre en dessous. Voilà. Là on est bien, ça tourne comme il faut, c'est impec. C'est quoi ça? T'as un piaf ou t'es une fleur toi? Comply. C'est une piaf, c'est un piaf fleur. Ok. Ouais, pourquoi pas? Alors, ça, c'est vide. Ça.
Ah, ça c'est pas vide encore. Ah ouais, mais c'est parce que ça c'est pas vide. Bon, hop, on va prendre. Sinon ça va mettre trop longtemps à se vider. Est-ce qu'on peut prendre les arbres? Pardon. Ça serait trop beau. Ça, oh putain, on a celui-là qui va nous embêter en vrai. J'ai pas envie de te couper lui. Après, on a la caillasse là qui va nous embêter. Bon, la caillasse, je m'en fous un peu, mais les arbres. On a pas des masses déjà donc. Pas trop les couper. Bon, bah c'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer là. Donc je vais mettre un répartiteur. Hop, on a l'entrée qui est là. On va mettre ça là. Voilà. Compétence. C'est possible. Ouais, l'entrée était pas bien placée. Ouais. Voilà. Ok. Dans deux fonderies. Dans deux fonderies. Comme je vous dis, de toute façon, c'est temporaire. Hein. On va falloir tout refaire au propre un peu plus tard. C'est un peu comme un brouillon en fait. Un peu comme quand vous êtes en cours, quand on était en cours et qu'on a fait des brouillons. C'est le même principe. Hop là, voilà, donc deux fonderies. Ah, il faut que je refasse des pylônes. Pour alimenter tout ça. Hop, on va devoir refaire des pylônes là, juste là. De deux fonderies. Je crois qu'il y en a un, c'est un constructeur. Non, il y a tout qui part dans des câbles. Si je dis pas de bêtises, tout part dans les câbles. Hein. Il est pile où il faut pas. Mon poteau, qu'est-ce que tu fais? J'ai déjà eu plus faim comme humour. Bon bah voilà. Alors. Ce qui fait que. Un poteau là. Un poteau là. Ah mince, je manque de câbles. Alors je vais faire un établi. Voilà, un établi portable ici. C'est pratique quand même de pouvoir trimballer son établi, hein. Là, il y en a plein, ils vont dire, oh là, j'aimerais bien avoir un établi comme ça sous la main. Ouais, je vous comprends les mecs. Hop là, allez. Hop. On avance, on va devoir mettre un autre poteau là-bas. Voilà, on va tous les tous les paramétrer, on veut du fil. J'ai peut-être fait un peu trop proche là. Très possible que ce soit trop proche. On va voir. Et on va mettre des répartiteurs. Ouf. Oula oui ça va être. Oula ça. Oula oui. C'est beaucoup trop proche. J'ai pas pris en compte les répartiteurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les éloigner. Le sens comme ça. Hop, voilà.
Tac. C'est le bon sens. On va les refaire. Bon, on est bon pour les reparamétrer. C'est pas grave. Les reconfigurer, pardon. Ok. Ça produit 15. Non, ça produit 30 à partir de 15. Et les autres, ça produisait. Pour les caps, c'était 60 à partir de 30, non? Un truc comme ça. Quoi? Attendez, une couille dans mon calcul, c'est pas normal. À partir de 30. Ok. Ça se prend pas. On va en prendre un, on va dire. Si on veut faire du câble, c'est. Il faut 60 et ça en produit 30. Ok, ouais, c'est l'inverse. Bah donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement. Un regroupeur, on va le faire de ce côté-là, il y a plus de place. Hop, là il aura besoin d'un regroupeur aussi, mais pas pour la même raison. Et derrière, il faut deux répartiteurs. Un là. Et un là. Avec bien évidemment, hop, entrée. Sortie. 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 Entrée, voilà. Bon là, comme ça a l'air le bazar, mais pas du tout. Un peu. Mais chut. Et où la sortie de ce côté-là? Sortie, non, entrée. Entrée, la sortie, elle est là. Hein. Ouais. Ok. Et là, c'est la sortie, ok. Là, ça ira là-bas, hein, parce que flemme. Et là, ça va dans un dernier constructeur. Comme ça. Voilà. J'ai pas tiré de câble. J'en ai pas d'autres, hein, de toute façon, des constructeurs. Hop là. Là-bas, on va faire arriver nos conteneurs tout là-bas, parce que flemme d'aller chercher loin. Ah bah super ça. Ok. Alors, on va avoir une arrivée de câbles. On va faire ça bien. Et... Bien sûr, plus c'est long, plus ça consomme ça. Ah bah tiens. Voilà. Petit problème de chevauchement.
Voilà. Voyons voir, est-ce qu'on a assez de production d'électricité? Là. Max conso 63, on produit 70. Impec. J'ai bien tout branché, j'espère. Bah, ça repousse pas du tout. Hein. Il m'a dit des bêtises, mon pote. Hein. Il m'a dit des bêtises. Hein. Divi, tu m'as dit des bêtises. Hein. Tu regardes là, à ce moment-là. Tu me dis des bêtises, ça ne repousse pas. Allez, on va réalimenter. Voilà, on va vérifier que ça fonctionne bien, bien évidemment. Là, ça arrive là, 60 qui arrive là. Normalement, on dispatch en 30-30. C'est pas sûr que j'ai mis. Oui, j'ai pas mis ça. Et j'ai pas mis la production tout derrière non plus. Bon, si ce n'est que ça, c'est pas très grave. Et là, du câble. Hop, tac, 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 ça répartit. Déjà, là, on est bien. Là, tant que ça fume, c'est que c'est bon. Oui. Là, les deux fument, c'est que ça produit. Hop, là, les deux arrivent. Ça dispatch en double des deux côtés. Quinze lingots, ouais. Oui, c'est bon. Normal. Là, on dispatche bien du 15 de chaque côté. Grimper à l'échelle, ça n'a pas marché comme voulu. Là, on regroupe nos fils. Et là-bas, ça produit du câble. Est-ce qu'on produit pas un peu trop là? À 30 par minute. Ah, 60. Ah, si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ce qui fait que là, on a une bonne prod de câble. Ah, j'arrive plus à monter là-dessus. Et là, ça part bien. Hein. Parfait, tout ça. Ça va se remplir et voyons voir. On va voir si on bien rempli les plaques et les je sais plus comment ça s'appelle. Les tiges. On a ok plus de 500 plaques et on a plus de 800 tiges. Ah c'est bon. Bon, on va passer maintenant à la production du comment ça s'appelle? Du calcaire. On a ce qu'il faut pour une foreuse, on n'a pas ce qu'il faut pour une foreuse. Heureusement, on a un peu de calcaire qu'on a récupéré tout à l'heure, on va faire du béton. Impec, là je vais poser là-dedans. Alors là, pour le calcaire, ce sera plus simple, il y a moins de choses. Alors le transport sera un peu plus embêtant, mais c'est tout. Je vais avoir besoin de produire de l'électricité par contre. Parce que... Alors on est déjà ric-rac. Hop. J'ai vraiment pu... Ah non, je suis bête. Je l'ai foutu là-bas. Ah, j'ai eu peur. Je me disais, attends, quoi, j'ai déjà plus de biomasse. Déjà que la prod, elle est pas facile, on va voir. Et j'avais oublié que... J'avais tout mis dans mon coffre, là. Enfin, une bonne partie, au moins, dans le coffre. Hop. De masse. Hop, tiens, tu vois, tu viens là et je vais remplir celui-là. Donc là, mine de rien, on a déjà 4 centrales. Hein. C'est beaucoup. Hein. Enfin, c'est beaucoup. À alimenter, ça fait pas mal. C'est quoi ça? Du minerai de fer. Ah, purée, encore du minerai de fer. Mais oui, c'est vrai que j'en ai partout. Et là, du calcaire. Oops.
Fond de régime. Ah non. Voilà. Ici. Notre forest qui arrive. J'ai pas tiré les pylônes. Autant pour moi. Je vais le faire. Est-ce que je peux le brancher? Tu sais quoi, je vais mettre un pylône là. De toute façon, il me servira. Et à partir de là, ça me produit combien ça? 60 calcaire par minute. Ok, je vais voir les... Je crois qu'un constructeur ça va suffire, hein, je suppose. Là si je mets ça... 40... Ah, ah c'est pas cool ça. Je vais en mettre deux, mais elles fonctionneront pas à plein régime. Mais le calcaire, le béton, au moment, je vais en avoir vraiment beaucoup besoin. Ah zut, alors il manque quelque chose du coup. Il manque quelques ressources. C'est pas grave. C'est des plaques de fer renforcées. Truc qu'on fait avec les vis. Ouais. Je sais plus de vis, c'est ça. Ouais. Il m'en faut deux, je vais en faire une dizaine. Comme tout à l'heure. C'est parti tout seul. Des vis que je pourrais automatiser. Mais bon, les faire à la main, pas ouf quoi. Ah, c'est des plaques de fer que. Non, je manque aussi. Voilà. Et des plaques de fer renforcées. Alors les plaques de fer renforcées, vous voyez, ça demande deux choses. Et les constructeurs ne peuvent pas faire des pièces demandant plus d'un élément. Ça viendra plus tard, ça. Ce sera une nouvelle machine qui pourra le faire. Mais là, actuellement, ce n'est pas possible. Pourquoi ça brille ici? Je suis pas fou, j'ai vu briller. Hein. Hop, allez, un autre constructeur. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez l'habitude. Logistique. Et répartiteur. Elle est où l'entrée? Elle est où l'entrée? Elle est là l'entrée. Un peu, je mets à peu près en face. Oh, j'ai plus de plaques de fer. Alors la question c'est, est-ce que j'ai assez de plaques de... Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour... J'ai même pas de quoi faire mon établi. Ah! Non, j'en ai pas laissé un là-bas là. Je le récupère et je le fais vite fait. Je suis à peu près sûr d'avoir laissé un établi là-bas. Leur récupérer. Ah non, il était planqué derrière le caillou quoi. Ah oh, c'est triste. C'est pas grave. Il s'est planqué le truc, saligo. Oula 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 oula. Hein? Pas exprès ça.
C'est où? Ah ouais, à peu près le même chemin, tiens. C'est marrant. J'arrive. Tu me diras, j'étais à côté de notre établi au final. Ouf. C'est pas bien grave. Alors, plaque de fer, heureusement. J'ai beaucoup de lingots de fer que j'ai récupéré hein, des machines précédentes. Ok. Alors, le répartiteur. Tac, ici. L'entrée est là, l'entrée est bonne. C'est pas vrai, maintenant il me faut du câble. Oh là là, c'est terrible ça. Oh, c'est terrible. Bon, au moins, bonne chose, c'est que ça me console consomme du fil. J'en ai beaucoup. Allez, est-ce que cette fois c'est la bonne? Yes. Ah, magnifique. Alors, vous deux, vous faites du béton. Voilà. Ça produit combien ça? 15 béton par minute. Ah ouais, c'est vraiment pas des masses. Hein. Hop, hein, je vais faire un groupeur. Je les ai alimentés les deux? Je les ai pas alimentés. Hein. Ah, on est d'accord, je les ai pas alimentés. Ah, je me disais. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à tirer le convoyeur. J'ai plus beaucoup de plaques. Ça a marché? Ouais, c'est vrai que c'est un double clic ici. On va faire quelques plaques de fer. Et ouais, je vais l'amener au même endroit, là où il y a tout le reste. Je sais pas quel chemin ça va prendre par contre. C'est vrai que... Ah ouais, le chemin là, il est un peu plus long par contre. Ouais, je vais avoir besoin de plaques de fer là. Je vais tout faire, je pense. 50, ouais, moins une centaine. Sachant qu'après, je vais devoir faire le stockage. Bon, c'est pas grand-chose, hein. C'est rapide le stockage, mais je pense que ça doit nécessiter des plaques de fer. Ok. Tac, oh, ça attend, c'est le bouchon. Allez, on va faire passer ça vraiment sur le côté, histoire que ça me gêne pas. Alors, ça traverse rien ici, c'est bon. Ça passe pas dans le mur, c'est bon. Ouais, c'est ça le truc. C'est que je veux pas que ça me passe en plein milieu dans les centrales. C'est pour ça que je vais faire un petit tour là. Je vais ramener ça là-bas. Oh la vache, c'est du charbon. Oh la vache. Ah bah je vais en manquer. Je vais en manquer, je pense. Ah bah ouais. Ça n'a pas joué à grand-chose, mais il va me manquer un. Hein, ouais. Mais heureusement. C'est pas là. On peut compter sur la production. Et voilà. Ce qui fait que là, c'est tellement plus facile. Je vais faire un petit tour comme ça au cas où. Oui, c'est moche. Mais comme je vous dis, ça sera très très bientôt. Enfin, très bientôt. Non, peut-être pas très très bientôt, mais ça sera modifié pas trop longtemps. Non. Wesh. Et bah. Voilà.
Et voilà, bon bah c'est... Il y a un peu de trajet, ça va pas venir tout de suite hein, par contre là, vu les détours qu'on a fait. Ah, je préfère m'avoir tout au même endroit. Ça c'est à cause de Minecraft ça. Quoique, regardez, ça arrive déjà. Hein. Bon, pour l'instant ça arrive en masse parce que... Il y a du retard. Mais... Il y a du retard dans la prod, je veux dire, on a un peu de stock à écouler. Mais vous voyez après... Ça arrivera un peu plus comme ça. Ce qui fait que c'est pas énorme, mine de rien. Puis les convoyeurs, ils sont quand même sacrément costauds. Regardez, hein, de tout là, là. Pas une barre au milieu, ça flanche pas. Hein. Même, hein, vous pouvez avoir ce gros truc là qui... Bah, vous voyez, il vient de le faire. Il vient de monter dessus, là. Mais en plein milieu, hein. Vraiment, il était là, en plein milieu. Ça n'a pas tordu d'un millimètre. Regardez, regardez, il va remonter là. Hop, crac. Bon, il y a un petit glitch quoi, mais bon, vous avez vu, c'est pas cassé quoi. Ah, mine de rien, c'est long le trajet. Hein. Et c'est vrai qu'il est tout le tour. J'ai vraiment disrespect le truc quand même. J'aurais pu le faire passer par au-dessus en vrai. Je sais pas si j'ai cogné le micro. Je crois. C'est ça entendu, désolé. En vrai, ouais, je vais voir si je peux. Si j'ai moyen de le faire passer par au-dessus. Hein. Ah, j'ai l'accès, hein. Ce sera peut-être plus propre hein, si je fais passer par là. Hein. En vrai. Ah ouais, y a pas photo, hein. Ouais, c'est clair. Ça limite. Breaking news from Earth. Widespread chaos. Hop là sur la petite butée. World President urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Comment ça? C'est quoi le délire hein? Ah, ils sont pas dans le même sens. Oh, terrible. Je crois que j'ai cliqué à côté là, par contre, là, c'est moi. Ouais. Je vais retirer le chemin là que tu... Oh non. Tu fais tomber. On arrive. Ok. Là où c'est plus tendu. Alors un pylône en plein milieu là. Ouais, c'est bien. Là, je vais faire un petit pile. Petit pylône. Venir de cette hauteur là.
récupérer ça. Attendre que ça tranquillement. Ça se vide. Puis là, de là à là. Ouais, ouais, ce sera mieux. Ce sera un peu moins bourrin. Je pensais pas que je pouvais monter. C'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, je vais faire le tour. Ouais, non, même pas, on peut passer, c'est cool. Je peux plus jouer sur mes convoyeurs, hein, saloperie de bestiole. Et t'as, ça tape du truc, je suis même pas sûr, un pied que t'es. Ça y est, il y a un autre convoyeur, il faut qu'il aille dessus. C'est dingue ça quand même. Voilà, là c'est à la queue leu-leu en plus. Ok, et là. Magnifique n'est-il pas? Oula, je suis un peu en contrebas. Alors on a notre béton. Bon, on est à contresens, donc on n'est pas très très rapide. On peut passer à travers le béton, on peut passer à travers tout, c'est... Oh, pas de soucis. Normal. Donc là, on a béton... oui, on voulait faire des vis. On voulait faire des vis. Et là, on avait ça ici, exprès pour... Alors... Ouf. Ouais, on va voir si je prends le façonneur. Les vis, ça me demande. 10 tiges. Et 10, ça en produit combien? 15? Oh, fait chier. Bah. On n'a pas le choix. Je vais avoir du rab. Je vais faire des plaques. Hein. Je sais que les plaques, je vais en avoir besoin. Des tiges, j'en ai je sais pas combien. Donc, on va partir sur deux fourreaux. Deux fonderies. Hop, là, je mets un répartiteur. Hello, this is Patel Figure. I have taken ill and need your help to find a cure. Doctors say that the only remedy is alien artifacts. Ah, j'ai les plombs qui ont sauté. Alors, voyons voir. On va chercher de voir. On va essayer de voir pourquoi. Déjà, attendez, je remets juste l'effondrerie un peu plus loin. Harvest. Parce que ça, c'est pas ouf. Alors, voyons voir, qu'est-ce que ça me dit? Consommax capacité, ouais, donc c'est qu'on a plus de, on a plus de carburant dans suffisamment de santé, de machines à produire, quoi. On va refaire le plein, mais là, j'ai plus beaucoup de biomasse, hein, ça c'est terrible. Hop, tiens, prendre de la biomasse. Une qui est vide, normalement. Hein. Sinon, je comprends pas. Ah, c'est elle qui est vide. Ok, c'est bon, je vais remettre ça dans le coffre. Allez,
On a vu du boss. On va réactiver. Et c'est reparti. You are so lucky that you found this most valuable artifact. Ça, on va faire lingot de fer. Lingot de fer. Comply. Alors, 1, 2, 3 constructeurs. Un qui fasse du... Ah. Des tiges de fer et des tiges de fer, donc plaque, tige de fer, tige de fer. Là il me refaut un autre répartiteur. C'est pas facile là le placement. Hein. Eh, qu'est-ce que... Merde. J'ai pas vu. Bah. Ah, ouais, non, merde. Ok. Il va falloir un poteau là. Il va falloir un poteau parce qu'il n'y a rien qui est alimenté. Hein. Un qui alimente ici, et un qui alimente là. Allez, hop. Lui va pouvoir alimenter là, lui va pouvoir alimenter ça, toi tu vas pouvoir être alimenté par ça, toi tu vas pouvoir être alimenté là-bas. Ensuite, on a trois sorties, ça c'est-à-dire là-bas, ça sert là. Et ça, un autre constructeur. J'ai pas assez de câble. Répartiteur, c'est pareil, il me faut du câble. Ok, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. C'est pas un répartiteur qu'il me faut, c'est un... Picking up multiple fixed personnel in the area. Proceed with harvest before it's too late. La sortie est là, ok. Hop. Je vais aller me faire du câble. J'ai du fil sur moi, donc je préfère l'utiliser plutôt qu'aller chercher, parce que là j'en ai vraiment beaucoup. On va refaire une petite trentaine, allez. Hop, une entrée. Et merci, une autre entrée. Ça il sort des vis. Ouais, donc les vis. On va rajouter un endroit de stockage. C'est dans le bon sens, c'est pas dans le bon sens. Ah c'est pareil. Mais wesh. Un effort. Quand même. Ok, est-ce qu'on peut passer par en dessous par hasard? Sans que ça fasse trop moche. Ouais, on peut pas. Ah, on peut passer par là. Ça fait un sacré détour hein, quand même. Non, bon. Je vais faire ça. Hop. Voilà, on aura ce qu'il faut. Pas du tout. Qu'est-ce que... il faut que je regroupe. Il faut que je regroupe ou il faut pas que je regroupe. Il faut que je fasse des vis. Mais j'ai totalement oublié les vis. Couillon de moi, ouais.
Hop. Alors, la vraie question c'est comment ça en fait à partir de combien? Dites. Oh. Alors, répartiteur. Voilà. Là, je vais avoir besoin de faire 3 usines. Je vais zapper cette histoire. Bon, en attendant. Ah, les plaques de fer, c'est là. Oh, c'est terrible. J'ai trouvé un moyen de les faire rejoindre, les plaques de fer. On va faire un regroupeur là qui va partir comme ça. Ok. Oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la. Le bordel que ça va être, moi je te dis. Pas tant que ça en vrai. Coule mieux. Ça va. Ça va, ça c'est bien. Ça produit pas ça. C'est pas alimenté ça. C'est pas alimenté. Ah oui, il me fallait des plaques. C'est ça, j'ai des plaques de fer ou pas? J'en ai combien? 67, ok. J'ai des vis, j'ai pas de vis. Et il me faut des plaques de fer renforcées. Bon, au début, on en passe du temps à faire des plaques de fer renforcées. Assez pour faire 10, tout pareil. Hop, ça c'est bon. Je vais refaire de quoi? Je vais pouvoir faire mes 3 constructeurs. Alors oui. Tac et tac. On va aller faire là. Hein. Entrée sortie. Hop. 1, 2, 3. Après, j'ai plus de plaque de fer. Terrible. Bon. Enfin, j'en ai plus de façon de parler. Et ce. Oh, ça bouchonne là. Ah oui. J'ai peut-être oublié. On a des choses qui arrivent. Bon bah pour le coup ça a bouchonné un peu le temps de juguler. J'en produis pile ce qui peut rentrer. Ouais, ça c'est pas un souci. Ok, et puis là, bah, vis. Vis. Et vis. Parfait. J'avais pas un truc là. Il est où? Bah. J'ai pas un truc pour faire arriver les vis de... Ah oui, c'est là. Je suis juste à côté pour putain. Ouf. Comme on dit chez moi, j'ai pas les trous en face des yeux. Et là, c'est un groupeur. C'est un groupeur. Oh merde. Produire trop de vis. Produire beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de vis. C'est pas grave. En vrai,
J'en ai pas besoin de temps. Là, ça n'a pas du tout optimisé. Ça n'a pas du tout, du tout, du tout optimisé. Je sais que le reste n'était pas trop, trop optimisé de fou. Ouais, non, pas ouf. Voilà. Hop, et en sortie. Ici, voilà. C'est pas alimenté. Impec. Alors, par contre, il y a un truc qui me... On va dépasser la capacité de production. Alors, on va devoir refaire un producteur de biomasse. Aïe 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 aïe. C'est triste. Ça c'est très triste parce que... Parce qu'on n'a pas assez de biomasse pour tout produire. Alors que j'ai ramassé de la biomasse à gogo. Il va vite falloir trouver ce qu'il faut pour remplacer cette production. Ouais. J'ai fait un autre truc ou pas? Oui. Ok, parfait. Ce qui fait que là, on arrive à... Comment ça, capacité 100? Je viens de rajouter une... 130. Ok, d'accord. C'était le temps que ça se prenne. Pardon? Capacité 130, capacité 100. J'en ai qui sont pas branchés. 1, 2, 3, 1, 2. Lui il est branché là, lui il est branché là. Bah. J'ai un poteau qui. C'est pas grave. Ils sont paramétrés. Ils sont paramétrés, il me semble. Il manque un câble. c'est lequel? C'est celui-là. Bonjour, sport du câble s'il vous plaît. Merci, merci. Et voilà, bon là vous allez voir, production de vis un peu abusée, on a beaucoup trop qui sort et on n'a pas assez... On n'a pas assez de tapis, hein, clairement. Enfin, les tapis sont pas assez rapides. Ça viendra pour plus tard. Mais au moins, on a des vis. On aura des vis. Je pense que le fil, il va très vite être rempli, hein, par contre. C'est où? C'est celui-là? Non, c'est l'autre. Oups. Ouais. Il va se remplir assez rapidement. Alors, voyons voir, on va peut-être pouvoir améliorer le hub. Construction de base, il nous faut du béton. C'est tout? Ok. On va aller chercher du béton, on va pouvoir améliorer. Béton, ça doit être ça. Raté. Ça. Gagné. Allez, on va améliorer ça. Tac, tac, et tac. On va lancer. Et vous voyez la petite navette là. Milestone reached. You have unlocked several structures aimed to provide the first needed to build basic factory infrastructure and improved overview. Building these will provide a grid for more advanced organizing and sectioning of your factory. Voilà, les nuages, alors on ne voit plus. Ah, ils ont pas géré. Il y a des nuages, mais on le voit. Ah ouais, ils ont pas géré le fait que ça traverse les nuages. C'est pas grave. Alors la prochaine étape, ce sera quoi? Ce sera... Bon, oui, la capsule est lancée, je sais. Prochain jalon. On va choisir ce jalon. Et il faudra des vis, des plaques et du fil électrique. C'est pas un souci. Il revient quand? La capsule revient dans une minute.
Il me faut juste quelques plaques. Ah oui, c'est en haut à droite, ça affiche en plus. Voilà, on a quelques plaques. Et là, déjà, ce qu'on a débloqué, c'est... C'est... Ah, une tour d'observation. Ça nous permet de voir de plus loin. Des rampes et des fondations. Ah, des fondations, de... ouais, de belles fondations. Et des murs, bon ça pas terrible, hein. Voilà, ça prend des murs quoi. Et je crois par contre, je sais pas si on a débloqué un... On a débloqué des trucs dans l'atelier d'équipement. Wesh. C'est pas un peu surélevé ça par hasard. Pas du tout. Et là on peut faire des trucs, mais c'est pas encore débloqué, ok. On a la station, enfin la capsule qui est revenue, on va leur renvoyer direct avec ce qu'il faut. J'ai pas de vis. Enfin si j'en ai. D'ailleurs on va voir comment ça en a produit des vis là déjà. Un bon paquet hein, je peux vous dire. C'est tout. Ah bah je suis déçu là. Vu tout ce qui arrive, allez hop. Putain on va les ramasser là en travers. Alors ça c'est... Je viens de le découvrir pour le coup. Voilà. Tac 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 tac. Hop, donnez-moi mes vis. On va les piquer là. Ça permettra de désengorger un peu tout le bazar. Bon, normalement je devrais avoir ce qu'il faut en vis là, non? Attends, c'est une vis ça? Mais non. Bon, ça c'est une vis. Blague? Ah bon, c'est, non, c'est pas une vis. Ah si, c'est une par une. Hein. Bon, heureusement, j'ai ce qu'il faut. Putain. Oui, alors j'ai rajouté ça. Alors, juste avant d'envoyer la capsule. Un atelier d'équipement qui va pouvoir créer des outils, des armes, des machins. On verra ça un peu plus tard. Moi, il y a un truc qui me... Comment on fait les coffres? Alors est-ce que je les ai débloqués déjà? Je crois en vrai. Wesh. Mais... mes vis? Bah fou? Bah... Je me suis trompé, j'ai tout redéposé? C'est possible. Oui, je crois d'ailleurs. J'ai oublié mes vis! Ah! Non, c'est pas le bon endroit. On va y arriver. Tiens, prends. Ça décolle. Nouvel email reçu. Milestone reached. The molecular analysis machine, referred to as the MAM, will allow R&D to provide new technologies, items, and buildings based on samples collected in the field. Ah mais c'est là qu'on peut les faire les coffres, c'est un truc comme ça je suppose. Ah oui. Et voilà, on a des coffres individuels, on va pouvoir foutre tout notre bordel là. Note, the object scanner requires calibration via the MAM to enable detection of specific objects. Voilà, on met deux, on mettra les trucs moins sympas et les tanneurs. J'ai fait une petite tige de fer. Hop, pour faire un autre coffre là-bas, le coffre où je mettrai tout ce qui est biomasse. Hop, voilà, ça va être le coffre à biomasse, de toute façon là j'en ai plus hein. Ouais, j'ai plus rien. Enfin j'ai ça quoi. Ok, bon bah je vais laisser tourner un peu. Je vais aller chercher de la biomasse surtout, bon ça risque de pas être très 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 intéressant. Et on va finir l'épisode ici. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi. Dans le prochain épisode, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a débloqué. Il n'y a pas grand-chose. Ah oui, le MAM. Machine d'analyse moléculaire est utilisée pour analyser des matériaux nouveaux. Et bon, ça, on verra ça dans le prochain épisode. Et on a débloqué des trucs qu'on essaiera peut-être de faire la balise et scanner d'objets.
Comme d'habitude, je ne sais pas quand est-ce que sortira le prochain épisode. Ce sera le suspense. Je vous remercie en tout cas à tous d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. C'était Tiob. Ciao.